Bonjour, donc suite à la demande d'une d'entre vous qui a des problèmes avec ses cadres qu'elle ne trouve pas dans sa machine, donc tout en haut ici, vous avez les machines qui sont enregistrées dedans. Si vous ne trouvez pas la vôtre ou que les cadres ne vous plaisent pas, vous vous mettez sur autre, tout en bas. Et là, vous allez créer vos cadres. Donc on vient dans paramètres du logiciel. Ensuite, paramètres de broderie. On clique là. Ça nous ouvre un petit panneau. Là, on est dans machine et cadre. Donc machine, il y a bien autre de sélectionner. Là, c'est mon carré 10 disque derrière qui est sélectionné. Et je vais créer un cadre. Donc je vais dans créer. Donc là, ça me propose de mettre le nom du cadre. Donc moi, je vais l'appeler test parce que je ne vais pas le garder. Test 3, par exemple. Voilà. Donc formater. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Je veux un ovale, un carré, un cercle, un rectangle, un rond. Je vais prendre un rectangle. Pourquoi pas? Et là, j'ai la hauteur du cadre et la largeur du cadre. Donc là, je vais mettre 150 sur 200 en largeur. Je peux faire le contraire. Hein, voilà. Et après, je fais enregistrer cadre. Et je fais OK. Voilà, donc mon cadre vient se mettre. Si je veux rechanger, tous les cadres que j'ai créés sont là. Donc là, c'est le test 3. Je reviens sur mon carré 10-10. Je vais aller sur mon nouveau test 3. Voilà. Voilà comment on crée un cadre. Mais il faut vraiment que ici, il y ait marqué autre. Sinon, ça ne prendra pas les nouveaux cadres. Voilà. Bon courage.